fall. Et donc, yop tout le monde, c'est Mister Deck, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo qui j'espère vraiment va vous faire plaisir les amis. Dans cette vidéo, je vais tout simplement parler du deuxième DLC de Call of Duty Black Ops 3 qui va sortir bientôt les amis. Je vais vous donner les dates et tout ce qui s'ensuit les gars tout simplement. Puis voilà, à propos de ça aussi, je vais vous parler d'une petite mésaventure qui m'est passée ce matin d'ailleurs. Ça continue un petit peu, j'espère que ça s'entend pas. Voilà, vous avez compris un peu d'où ça venait. Et voilà, j'espère que ça s'entend pas, que j'ai encore mal à la gorge. Mais voilà, c'est pas un simple mal de gorge qui m'est arrivé ce matin. Enfin, voilà, si ça vous intéresse, je vous le dirai à la fin de la vidéo parce que j'ai vraiment le temps de vous en parler sur ce gameplay. Donc voilà. Alors tout simplement, c'était pour vous donner des dates ou des informations sur le deuxième DLC de Black Ops 3. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième DLC de Black Ops 3 va sortir le 19 avril. Comme je l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo, c'était mon World First, je crois, oui. Ouais, voilà. En écran scindé, j'en avais parlé. Donc le 19 avril, c'est officiel, de toute façon, hein, depuis une ou deux semaines, sortira le deuxième DLC de Black Ops 3. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la map remake, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est simplement... Pardon, excusez-moi, une map de World at War. Donc je ne connais pas le nom, les gars, parce que j'ai pas beaucoup joué à World at War. J'ai même jamais joué, qu'est-ce que je dis? J'ai jamais joué, donc je peux pas vous dire le nom. À ce qui paraît, la map était disponible dans le troisième DLC de World at War. Voilà. D'ailleurs, si vous venez de voir un gros bug, c'est-à-dire vous avez pu voir dans la killcam, un allié a posé un C4 sur C, voilà, juste avant la fin de la mi-temps, et il a respawn et a fait une 6 OS. Ça devait être un bug à cette époque, je sais pas s'il marche encore. Mais voilà, ça date un petit peu le gameplay quand même, donc voilà. D'ailleurs, le gameplay, je sais même pas si je l'ai dit, c'est un 37 de ratio dans l'étal solo. Je vais faire une série de 25 et enchaîner une série de... Bah, de je sais pas combien, pas beaucoup. Et les alliés n'étaient pas avec moi à la preuve parce que j'ai rejoint la partie. J'ai eu de la chance de rejoindre des bons alliés d'ailleurs. Mais voilà, un peu de chance. Donc le gameplay, c'est pas le plus important, je pense que vous avez compris. Hein. Donc voilà, sur la map... Alors, maintenant, le plus important, je pense, donc tout simplement, les maps vont sortir le 10, donc le DLC va sortir le 19, et vous l'aurez bien compris, la présentation des maps va commencer le 16, si je dis pas de conneries, donc. Le 16, vous aurez le droit à la découverte de la première map, le 17, la deuxième map, donc voilà, sur les chaînes Skyrose, Monsieur le V12, etc., bien sûr, les plus grands youtubeurs qui seront invités. Non, c'est le 15, pardon, le premier jour, pardon, le 15. Après, la deuxième map, le 16, la troisième map, le 17. Et enfin, la map remake de World at War, ce sera le 18. Et la map zombies, excusez-moi, sera, on aura le droit de la voir, enfin, tout simplement, ils testeront la map zombie le 19 dans la matinée, et le DLC sera sorti à 18h le 19 à 18h tout simplement. Donc voilà, s'il y a des petits décalages, par exemple le double XP avec les cryptages, moi je l'ai eu à 18h40, voilà. Il y a d'autres qui l'ont eu à 18h, d'autres à 17h30, je pense pas quand même, mais bon, 17h30 ça m'étonnerait, je sais pas pourquoi je dis ça, mais moi j'ai eu à 18h40, donc un petit décalage de 40 minutes, ça arrive les gars. Le DLC, je suis pas sûr qu'il y aura un décalage, mais voilà, ça peut arriver. Donc voilà, s'il y a 17... Ouais, Mister Deck, il a dit 18h, et 18h02, il n'y a toujours pas eu de DLC, mince alors. Voilà, je peux rien faire pour vous, c'est... Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour ce qui était des DLC, etc. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez, excusez-moi, précommander le DLC à partir de maintenant sur le Play Store et dans votre magasin... près de chez vous, tout la Fnac, Micromania, enfin, j'en passe. Et bien sûr, le gamer du coin... je sais pas, j'ai sorti un nom de magasin. Voilà, vous pouvez aller chercher dès maintenant. Même si je vous le conseille pas, attendez de voir les trailers, les avis des youtubeurs. Peut-être pas les avis des youtubeurs, mais au moins de voir les gameplays pour vous faire un avis et de l'acheter ou pas. Parce que là, ça sert pas à grand chose en ce moment de l'acheter. Attendez, moi c'est ce que je vais faire par exemple. Donc voilà. Voilà pour ce qui était du DLC, s'il faut savoir. Alors ce matin, la mésaventure qui m'est arrivée. Tout simplement. Je sais, pour les âmes sensibles, c'est abstenir, bien sûr. Tout simplement, ce matin, je me suis levé. Et
Et simplement, j'arrivais pas à ravaler ma salive, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais obligé de recracher ma salive parce qu'il m'était impossible d'avaler quoi que ce soit, de boire, etc. Donc, ça faisait extrêmement mal. Et donc, les seules petites fois où j'arrivais à minimum à avaler ma salive, ça me donnait des nausées, des envies de vomir, etc. Donc voilà. Et donc, pour moi, je pense que c'est à cause de ma pomme d'Adam, tout simplement. Et donc, la fête qu'enfin Mister Deck, le Kikou du PSN, va muer, tout simplement. Non, c'est mon avis, je pense. Hein, après, c'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est pour ça que je dis ça. Peut-être que Mister Deck est en train de muer. D'ailleurs, si vous m'entendez une voix plus grave, c'est peut-être pas parce que j'ai mué maintenant. C'est peut-être tout simplement parce que j'ai eu mon Turtle Beach. Voilà, je suis mort en 25 là. Voilà, PX22 précisément. Donc voilà, j'ai eu mon nouveau casque, etc. J'espère que ça va être un peu mieux quand même. Donc voilà, pour ce qui était du commentary, du gameplay, les gars. Ça va être bientôt la fin. Hop, voilà. Et merci à vous, les gars. On se rapproche beaucoup. Bientôt, les gars, des 100 abonnés. Donc, j'espère arriver aux 100 abonnés pendant les vacances. Ce qui me laisserait le temps de faire tout ce qui est FAQ, etc. Je vous en parlerai plus tard. Parce que voilà, si ça tombe après les vacances, bon, c'est pas que le temps est minime, mais voilà, hein, voilà. Ça va être plus court, ça va être plus long plutôt. Les vidéos vont arriver plus tard, mais voilà. Donc, pendant les vacances, je pense. Si j'espère atteindre les 100 abonnés avant les vacances, ça serait génial. Pendant les vacances, excusez-moi, ce serait génial. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre là? Sur le gameplay, pas grand-chose. Le sujet non plus. Je réfléchis un peu. Non, je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai vu quand même que le dernier best-of vous a pas trop plu. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu. N'hésitez pas à aller le voir parce qu'il y a beaucoup de fails. Enfin, je vais pas vous spoiler, allez voir si vous voulez. Voilà, c'est à votre. Allez vous faire un avis. Il y a des tripes, une balle. Je vous dis à la prochaine. C'était Mister Deck. Allez, peace.